Bonsoir. C'est aujourd'hui, c'est déjà une année révolution de pays arabes et syriennes. Quel est votre message pour les populations du monde à Genève et en Suisse? Plus pourquoi cette manifestation? Un an déjà, mais c'est un an, c'est trop long. La révolution syrienne aujourd'hui, c'est la révolution la plus longue, mais la plus meurtrière. La plus meurtrière depuis que les révolutions dans le monde arabe ont été déclenchées depuis la révolution tunisienne. Le peuple syrien est en train de payer le prix le plus cher aujourd'hui pour son émancipation sociale et politique. Et je crois que le silence, la démobilisation est un crime. Si on n'est pas là aujourd'hui, c'est un crime. Il faut absolument soutenir le peuple syrien. On ne peut plus aujourd'hui dire qu'on n'est pas au courant. C'est des milliers de morts et des dizaines de milliers d'arrestations et de blessés. On ne peut plus dire qu'on n'était pas au courant. On est au courant et c'est pour ça, justement, qu'aujourd'hui on a voulu être à côté du peuple syrien pour célébrer un an de mobilisation et de révolution. On est en train de dire que si aujourd'hui le soutien ne va pas directement par rapport à la population civile, pour que cette révolution à la base pacifique, sans ce soutien, elle sera à la déroute. Et on ne peut pas laisser faire les conflits d'intérêts et tous les enjeux géopolitiques dans la région, que ce soit des régimes réactionnaires arabes ou des impérialismes occidentaux. Il faut absolument être là et exprimer sa solidarité internationaliste avec le peuple syrien. Merci.